What's up les Léos ? Direction Reaper Body Show. Après avoir fait la compétition de Monaco, là on nous a contacté pour faire le Reaper Body Show. Franchement, on comptait pas du tout la faire. Donc, et au final, comme là on pouvait constater, là on est que black. Ouais. On est bien tanné. Donc la direction le Reaper Body Show. C'est une compétition qui a la Ciota juste avant Marseille. Ouais. En Marseille. Bref, c'est à côté de Marseille. Donc en fait, on comptait pas la faire. On a fait Monaco Prestige Cup. On a fait des bons résultats. Donc comme vous avez pu le constater normalement avec les vidéos qui sont sur la chaîne, on devait pas la faire. Et on nous a contacté. Il y a pas mal de personnes qui nous ont dit que c'était une bonne compète, qu'il y avait un bon niveau, que c'était une bonne ambiance, etc. Donc après mûre réflexion, on s'est dit pourquoi pas tenter, tout simplement parce qu'en plus c'est pas très loin de chez nous. Nous on aime bien quand les compètes elles sont pas très loin de chez nous. Donc on s'est dit pourquoi pas la faire. Donc là en fait on est sur le chemin, sur le trajet. Donc voilà, tout simplement. Ouais, on va essayer de vous filmer un maximum de choses. C'est ça. Direction là-bas, let's go pour tout casser.
just flying by, away from them, and no one can see me now. À la 7e place, Gaël Tissot, qui s'en va. 3e, Soufiane Bifagi. 2e place, Frédéric France. Et le gagnant de la catégorie, Marwan Bifagi. Alors, petit débrief de fin de vidéo, de fin de compétition, de tout. Ouais. Bref, vous commencez à avoir l'habitude. Là, on fait un petit débrief de, des prix. Un petit débrief des, Des concernant la compétition Reaper Body Show. Ouais. Déjà, on comptait vraiment pas du tout la faire celle-là aussi. On nous a contacté, en fait, on nous a contacté par rapport à. Vu qu'on a eu un bon résultat par rapport à Monaco Prestige Cup. C'est ça. Du coup, ça fait un peu de bruit. Et du coup, ben, il y a des juges qui ont parlé à droite, à gauche, etc. Des compétitions qui ont entendu un peu les résultats et tout. Donc du coup, ils nous ont contactés pour faire la compétition Reaper Body Show. Nous, on avait déjà entendu parler de la compétition Reaper Body Show. Il faut savoir que Reaper Body Show, c'est la deuxième plus grosse compétition de France. Ouais. Et nous, on le savait on même savait pas, pas du tout. Et du coup, ben, y a pas mal de personnes, pas mal de, même de juges qui nous ont dit « Ouais, cette compétition-là, c'est, un super, c'est une super compétition, un super niveau. » Et entre guillemets, qui a été faite pour nous. Et entre guillemets, en fait, c'est le rassemblement de l'année. De tous les culturistes entre guillemets passionnés, on va dire. En fait, nous on a entendu parler rapidement de Reaper. Moi, clairement, pour ma part, je la connaissais pas. Ouais, on la connaissait pas autant que ça, tu vois. Mais en plus, on a entendu que c'était un peu plus niveau débutant, quoi, tu vois. Ouais. Et au final, ben. En fait, il y a un vrai niveau. Ouais, il y a des juges qui nous ont contactés, des compétiteurs qui ont des titres de ouf, qui nous ont contactés pour qu'on la fasse, qui nous ont dit que vraiment c'est une compétition qui était faite pour nous, etc. Donc du coup, ben, vu qu'on était plus ou moins, on va dire, un peu plus ou moins prêts par rapport à la précédente compétition, bon, on avait fait un petit relâchement, mais on a réussi à se reprendre en main sur une préparation une semaine, donc vraiment très courte. Donc du coup, ben, on a foncé. En plus de ça, c'est que c'est à la Ciotat. C'est à la Ciotat, c'est pas très loin donc, de Nice. C'est pas très loin de Nice, on va dire un peu moins de 2 heures de route. Ouais, 1h45 donc, voilà, donc ça reste abordable. Ça aurait été sur Paris ou un peu plus loin, je pense qu'on l'aurait pas fait. Ouais, donc du coup, on l'a fait et franchement, pas du tout déçu. Pas du tout déçu. Compétition de ouf, niveau de ouf, show de ouf. En plus, vous nous connaissez, on aime trop le show. Ils nous ont permis de mettre le show. Et on a mis en fait, c'est vraiment le genre de compétition où ben tu peux te lâcher en fait. Ouais, voilà. Il y a des compétitions où c'est tellement carré que tu peux, ben t'es là en fait, tu peux pas te lâcher. Ouais. Tu fais tes pauses et tu pars. Ouais. Là, c'est vraiment une compétition où tu peux te lâcher. Si tu veux poser, tu poses. C'est vraiment là, tu montres ton plus beau physique, tu montres ton entraînement, ton dur travail. Et vraiment, ben là, tu te lâches quoi. Ouais, vraiment, ils te donnent la permission. Enfin, ouais, tu peux te lâcher facilement. En tout cas, super bonne expérience. C'est grave quoi. Ouais, là, on va pas s'attarder trop à parler parce que sinon, on pourrait pas en parler des heures de cette compétition-là. Ouais. Donc du coup, donc rapidement, nous, on est parti pour s'inscrire en men's physique senior. Parce que comme nous, on est en men's physique senior. Comme d'hab, vous savez, men's physique, c'est la catégorie qu'on fait à chaque fois. Ouais. Et comme d'hab, on devait faire qu'une seule catégorie. Ouais. Et ben, là-bas, on s'est chauffé, on a choisi plein de catégories. Donc, on s'est inscrit en men's physique senior, on s'inscrit en modèle. Ouais, modèle sport ouais. On s'inscrit ensuite, je me suis inscrit en classique physique parce que comme vous savez les Rayos, je kiffe grave cette catégorie.
On s'inscrit, non, ouais, on s'inscrit best en best posing tous, ouais, les deux. Donc du coup, ben, rapidement, les classifications. On va parler, ben, de toute façon, vous avez vu dans toutes les vidéos, ouais. Mais modèle, donc c'est vraiment, il y a un premier passage où t'es en tenue de sport, ouais. Ensuite, un deuxième passage où t'es en maillot de bain. Ensuite, en mince physique, donc toujours avec le short. Classique physique, c'est un boxer noir. Donc c'est un maillot de bain en fait, c'est un maillot de bain, mais boxer noir, ouais. Et pour finir, best posing, c'est la tenue que tu veux. Comme tu veux, ouais. Et tu dois faire ton plus beau posing avec une musique, ouais, etc. Juste un truc, par rapport à l'organisation, franchement, mine de rien, c'est une bonne organisation, ouais. Ils ont tout bien ficelé, bien comme il faut. Et ça s'est bien tout déroulé, bien comme il faut, il n'y a pas eu de retard, etc. Toute la partie du matin, c'était tout ce qui était fitness modèle, men's physique, ouais, etc. Partie fitness avec matin, les bikinis, enfin, etc. Et toute la partie du soir, c'est plus les catégories body, avec body, lightweight, heavyweight, ouais, ouais, les classiques grosses, physiques, toutes les grosses, etc. Catégories body le soir et, ouais, les catégories fitness le matin. Donc, première catégorie pour nous, on passe en modèle. Donc du coup, Marwan, il arrive premier. Ouais, moi je fais premier. On va se passer là. Marwan, il arrive premier. Et moi, j'arrive deuxième. Boum. Donc voilà, franchement, on est content. Un premier, un deuxième. Ouais, en plus, on s'est régalé, voilà, et tout. Donc en général, quand on monte dans une, dans une catégorie, on, ouais, on vise quoi. En termes de show, bon, il a fait un passage en slip, le deuxième passage. Le premier passage, c'était un passage en sport. Marwan, il est venu en boxeur. De toute façon, il y a les vidéos. Ouais, c'est pour ça, il y a les vidéos. Et moi, je suis venu en baseballer. Bref. Ensuite, deuxième catégorie, notre men's catégorie physique. En men's physique. Donc, ouais, moi je fais premier et dans moi je fais physique. Troisième. A savoir, il y avait trois catégories men's physique, ouais. La catégorie junior, la catégorie men's physique 1 et la catégorie men's physique 2. Ouais. Donc, junior, c'est moins de 21 ans pour cette fédération. Ouais. Vu que nous on a 23 ans, ben, du coup, ben, on est passé au-dessus. Ouais. Et du coup, ben, men's physique 1, c'est les men's physique un peu, on va dire, normal. Ouais. Avec un bon niveau, ouais. Et men's physique 2, ils ont réuni tous les gros en fait. Ouais, c'est plus les musculaires en fait. Ils appellent, en général, c'est des musculaires, mais bref, ils ont mis toutes les personnes qui avaient une bonne densité musculaire. Ouais. Et du coup, bah, nous, ils nous ont mis en men's physique 2. Ouais. On s'y attendait, je pense, un peu. Et voilà, donc bref, pas déçu en tout cas. Et bah, moi, je fais premier. Voilà. Marielle fait premier, moi, je fais troisième. Je pense que ça se jouait vraiment à pas grand chose. Mais dans tous les cas, c'était une question de sourire en fait. C'est une question de sourire parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il sourit pas beaucoup. C'est vrai que je souris pas du tout. Et men's physique, c'est vraiment une catégorie où il faut pas mal sourire. Ouais, c'est vrai que je suis un peu vénère. Je suis un peu vénère moi quand je entre guillemets, tu kiffes sur scène quoi. Donc je devrais travailler sur ça. Mais dans tous les cas, le mec qui est passé devant moi, il avait un super beau physique, une super belle sèche, etc. Et je pense que au niveau de ma préparation, de toute façon, on reviendra, je pourrai parler de ça. Bref, tac. Donc vu que Marwan, il est arrivé premier. Il passe modèle, en toute catégorie. Vu que j'arrive premier en modèle et j'arrive premier en men's physique, en fait ils ont réuni tous les premiers de toutes les catégories fitness. Donc toutes les catégories modèle, toutes les catégories men's physique, les catégories de bikini, donc hommes et femmes, ils les ont réunis tous, ouais. Tous ils les ont rassemblés dans la scène pour faire un overall, donc toute catégorie. Et donc du coup à l'unanimité, les juges ils m'ont élu meilleur, meilleur athlète overall. En fait là cette médaille, c'est la médaille d'overall. Vous voyez par rapport à la, ouais, par la ficelle là, elle est différente, ouais. Tu vois. Là c'est plus le Navarre France, etc. La vraie fédération quoi. Ouais. Donc tac, donc ça c'était pour toute la partie du matin. Maintenant pour la partie du soir, partie bodybuilding, catégorie body. Sophie, moi je passe en classique physique, la catégorie vraiment, que je kiffe. Catégorie où il y avait du lourd. Ah ouais, il y avait du faut savoir que les peut-être que ça se voit pas sur les vidéos, ouais. Mais les mecs qui étaient sur scène contre Sofiane, il faisait 20 kilos de plus que lui. Facile. Et sec. Et je peux vous dire que franchement le niveau il était bien présent quoi. Ouais. Donc du coup bah, j'arrive deuxième. Je pense que j'aurais pu quand même arriver premier. Ouais, ça s'est joué à pas grand chose. Parce que la personne qui est passée devant moi, elle a un super beau physique, etc. Tout, mais il y avait moyen de. Il y avait moyen, ça c'est. Il y avait moyen de passer devant lui. Concurrence. Mais dans tous les cas, félicitations à lui. Hop, j'arrive deuxième. Classique physique, franchement, très content aussi. Donc voilà. Franchement, super bonne compétition, super chaud, etc. Franchement, on s'est régalé. On a fini entre guillemets la saison, on va dire. En beauté, ouais. Je pense qu'il y aura d'autres compétitions parce que franchement, là on a fait grave de compétitions, ouais, on a kiffé. Ça, en fait. On kiffe trop ça. Ouais. En termes de lot, là il n'y a pas de complément alimentaire. Les lots, on va dire, les lots dans cette compétition là, ben c'est. On va dire, ils sont pauvres, les lots.
Bah, il y avait pas les vannes. Après, c'est vraiment une compétition où tu viens pour parce que t'es passionné. Ouais. Tu viens vraiment pour montrer ton physique et montrer ton travail. Voilà. Ils ont misé vraiment sur les médailles en fait. Ouais. C'est des super belles médailles. Des super belles médailles, des grosses médailles. Donc, ils ont tout misé sur ça. Après, je pense que de base, cette compétition-là, elle est sponsorisée par Eric Favre. Ouais. Donc, du coup, vu qu'il y a eu des petits soucis, etc., avec Eric Favre, etc. Donc, du coup, je pense que ça a joué. Ouais, ça a joué. Donc, du coup, il n'y a pas eu de complément. Il n'y a pas eu de complément alimentaire. Mais c'est pas grave. En tout cas, nous, on est allé pour la passion, pour kiffer, etc., le show. Et franchement, c'est une compétition de ouf. Et le niveau, franchement, il était ouf. Autre chose aussi à rajouter, c'est que sur chaque compétition, sur chaque catégorie, on était vraiment beaucoup. Ouais. Donc le niveau, il était présent. Mais en plus de ça, on était beaucoup. Donc dans ce genre de compétition-là, déjà faire partie du top 6, c'est vraiment. C'est vraiment énorme en fait. C'est vraiment énorme. Parce que t'es beaucoup. Et en plus de ça, taper le top 3. C'est encore mieux. Donc, et vraiment, faire un deuxième, ouais, franchement, c'est vraiment du très très lourd. Il y a quoi d'autre à rajouter? Juste un autre truc aussi par rapport à la préparation. Voilà, franchement, on était satisfait de notre préparation, ouais. Mais on était meilleur à Monaco. Ouais. Voilà, on a affiché un beau physique, mais c'est pas le physique qu'on s'y attendait. Ouais, c'est ça. Voilà, on aurait pu être largement meilleur, mais dans tous les cas, on a eu de super bons résultats, donc on est satisfait. Et donc voilà, De toute façon, on regrette rien. Donc la vidéo, on va la finir là parce que sinon, elle va être trop longue. Ouais. N'hésitez pas à liker, commenter. À commenter si vous avez des questions, à nous rejoindre sur Instagram. Comme on l'a dit dans la précédente vidéo, il y aura des concours, enfin un jeu. On fait pas mal de concours sur Instagram, ouais. Donc on va vous offrir les lots qu'on a gagnés dans les précédentes compétitions. Donc ouais. Venez nous rejoindre, très important. Autre chose aussi, dites-nous, parce qu'on s'est posé aussi la question, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on fasse un petit concours pour vous donner les médailles, vous offrir les médailles, ouais, les médailles en double. Qu'on a en double. Ouais. Parce qu'on a pas mal de médailles en double. Donc si ça vous intéresserait, dites-le nous, peut-être qu'on fera aussi un jeu concours pour vous offrir des médailles. Ouais. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Likez la vidéo, abonnez-vous aussi. La petite cloche c'est très très important. Et on se fait sur ça les Rayos. Hasta luego. Hasta luego.